Salut à toutes et à tous, vous le voyez, bienvenue dans Chez vous Sport, on est à la Saint-Augatien pour un nouveau rendez-vous avec Bastien Bricard. Aujourd'hui on va parler arbitrage. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors vous êtes joueur, arbitre et formateur d'arbitre. Alors on va commencer par joueur, il y a longtemps que vous êtes... Ça fait 21 ans que je suis ici. C'est un club qu'on a dans le cœur. Hein, ah, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est la couleur du maillot, l'équipe, c'est presque une famille, quoi. C'est ma deuxième famille finalement. Et puis, eu envie d'arbitrer. Tout à fait. Comment vous êtes venu à l'arbitrage? Oh bah c'est simple. Hein. Je jouais un match et un jour on m'a dit tiens, il manque un arbitre. Est-ce que tu veux arbitrer? Je dis ouais, pourquoi pas et tout. Alors au début je sifflais pas très très fort, donc on m'a dit siffle plus fort. Puis après finalement c'est devenu une vocation et ça fait maintenant 10 ans que j'arbitre. Donc c'est super fun quoi. Vous préférez jouer ou arbitrer maintenant? Il y a plus d'adrénaline quand j'arbitre, puisque ouais. Finalement, ça met un stress en plus. Maintenant, quand j'arbitre, c'est vraiment du haut niveau pratiquement. Donc, il y a de l'adrénaline, il y a des bons joueurs, il y a tout un staff derrière. Alors que quand je joue, c'est vraiment un niveau beaucoup plus bas. Donc, finalement, il y a moins de pression, mais il y en a quand même. Mais je préfère arbitrer quand même. Vous arbitrez à quel niveau? J'arbitre en 4e division. Masculine et d'accord. En deuxième division féminine. D'accord, national tout national, ça. National tout ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile justement dans l'arbitrage du basket? C'est peut-être gérer son stress parce que finalement on a le stress du public parce que plus on monte plus il y a du monde dans les salles. Ouais. Le stress des équipes, des coachs, l'enjeu du match. Du match. Et puis à côté de ça, auprès des jeunes ici. Tout à fait. Tout à la Saint-Raud, et ben vous. Je les forme tous les. Vous les formez. Allez, on va dire c'est 10 samedis matin dans l'année. C'est une obligation ça? Non, ou... c'est pas une obligation. C'est moi qui veux le faire. Après, on propose en début de saison à des gens, à tous nos licenciés, s'ils veulent participer à l'école d'arbitrage. Ça s'appelle l'école d'arbitrage. Ça recueille un vrai succès ou pas? Ouais, si. Ouais. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui hésitent au début parce qu'ils se disent bon, ça fait encore venir en plus à la salle un samedi matin, mais finalement, une fois qu'ils y prennent goût, la deuxième, troisième fois, puis après ils reviennent avec plaisir. Donc on essaye de rester dans le basket et non pas trop école. Quoi. Donc c'est sympa aussi. C'est sympa aussi ouais. Eh ben merci beaucoup, Bastien. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Chez vous Sport. On se retrouve demain ici à l'AS Saint-Augatien. Salut.